Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre revue de presse sur Frica TV. Notre invité ce matin est un vieux journaliste, un éditorialiste qui a roulé sa bosse dans plusieurs rédactions de la presse camerounaise. Célestin Biakedifana interviendra à la fin de la revue de presse pour commenter quelques actualités qui ont capté son attention. Allons découvrir ensemble ce que les confrères de la presse africaine ont publié ce matin comme actualité, comme fait de société. Et nous ouvrons par la Côte d'Ivoire où la presse est divisée ce matin entre deux personnalités de poids, le président Alassane Dramane Ouattara et l'inamovible Henri Conan Bédié. Mobilisation exceptionnelle du PDCI-RDA sur les terres de Fouette. Du jamais vu en Côte d'Ivoire, titre Le Nouveau Réveil. C'est l'union sacrée autour de Bédié pour sauver le peuple ivoirien. Pour le jour, pendant que Bédié se contente d'un bain de foule à Yakro, le RHDP tisse sa toile et consolide ses acquis sur le terrain. La réplique nous est donnée par le quotidien d'Abidjan qui écrit Bédié frappe fort et le RHDP tremble. S'agissant de cette mobilisation populaire de samedi à Yamoussoukro, l'intelligent d'Abidjan se pose des questions. S'agissait-il d'un hommage à Youfouette ou un hommage à Bédié? S'agissait-il de 15 000 ou de 150 000 personnes? Pourquoi parler de réconciliation sans le RHDP? Sortons de la Côte d'Ivoire avec Africa Business qui barre sa une avec un dossier sur ses acteurs clés qui font le succès de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est l'horreur et la terreur en zone anglophone, titre ce matin, le tabloïd Intégration. Il ne se passe pas de jour sans que des citoyens ne soient assassinés. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune nous informe ce matin que le président Paul Biya a ordonné le déblocage de la somme de 150 millions de francs CFA pour venir en aide aux populations sinistrées de l'extrême nord, victimes des inondations. Depuis sa sortie de prison, écrit le messager, Camto met le régime au travail. En réaction à l'interview accordée à RFI, des membres du gouvernement en mission commando pour déconstruire le discours du leader du MRC. À lire dans les colonnes du messager, cette autre affaire qui éclabousse l'homme d'affaires Victor Fotso, à qui un architecte réclame la rondelette somme de 15 milliards. Le quotidien indépendant d'Algérie titre ce matin sur les dessous de l'affaire Liba. En cabale depuis le 26 septembre 2019 ou derrière les barreaux depuis jeudi dernier après sa mise sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi Hamed, près la cour d'Alger, l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale, le sulfureux député du FLN, Bahaeddine Tilba, est derrière les barreaux. La presse de Tunisie ce matin se pose une et une seule question. Quel programme et quelle ossature pour le nouveau gouvernement? Les négociations pour le choix du nouveau chef du gouvernement semblent tourner en rond, nous informe le journal. Au Zimbabwe, The Herald fait savoir que les agriculteurs qui ont livré leurs grains à la commission de commercialisation des grains avant l'annonce du dernier prix à la production recevront un salaire de retour. Le ministre des Terres, de l'Agriculture, de l'Eau, du Climat et de la Réinstallation rurale, Douglas Karoro, a déclaré que ce paiement aidera les agriculteurs à se préparer pour la nouvelle saison agricole. C'est tout pour la revue de presse ce matin. Place à notre invité, Célestin Biakedifana. Bonjour. Bonjour Laurel, merci de m'inviter sur votre plateau. Je suis enchanté d'être là dans vos beaux locaux qui sont, disons-le tout simplement, une belle initiative qui crée un nouvel espace de liberté. D'accord, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Ok. Après donc, la lecture de cette revue de presse, quels sont les sujets qui ont capté votre attention? Tout simplement, je vais dire que je vais m'attarder beaucoup plus sur ce qui concerne le Cameroun. Vous savez, le principe du mot climatique voudrait bien qu'on s'intéresse d'abord à ce qui nous concerne que Justement. d'aller chercher plus loin ce qui ne nous concerne. En fait, ce qui nous concerne de façon, je dirais, par ricochet.
C'est l'actualité camerounaise qui est la plus importante pour moi là maintenant, parce que d'après votre revue, je crois savoir qu'elle se décline en trois ou quatre aspects. C'est-à-dire d'abord la continuation de la barbarie dans le nord-ouest et le sud-ouest, et l'acte du chef de l'État, la magnanimité du chef de l'État avec ce don de 150 millions. Puis maintenant, toute la sarabande qui a derrière la déconstruction du discours de Kamto depuis sa libération, sans oublier cette affaire qui fait des vagues là maintenant, celle qui est relative, je dirais, à ce problème qui concerne à la fois le milliardaire Fosso Victor et son architecte Guy Bertrand Temba. Je crois que voilà les éléments importants qui ont le plus retenu mon attention dans votre revue de presse. Bon, c'est vrai, on pourrait s'attarder encore sur des cas concernant la Tunisie, le Zimbabwe et tout, mais je crois que pour nous et pour ce qui me concerne, c'est l'actualité camerounaise qui reste la priorité. D'accord. On vous écoute, monsieur. Ouais, bon, je dirais tout simplement concernant déjà, moi je tique un peu sur cette magnanimité présidentielle-là, parce que pour qu'on soit plus concret, je ne sais pas si on a évalué à quoi, que représentent les 150 millions. De don que fait le président de la République aujourd'hui. Ça tient compte de quelle proportionnalité. Les populations de l'extrême nord ont été sinistrées relativement aux inondations et des pluies qu'il y a eu ces derniers temps. Et je pense que pour qu'on ait une juste appréciation de la réparation qu'il faut pour ces populations, il faut attendre des évaluations, il faut attendre des expertises pour comprendre quelle est la gravité de la situation. Parce que quand on dit 150 millions, que représente 150 millions 150 millions. relativement à ce qui s'est passé dans l'extrême nord avec à la fois des récoltes sinistrées, des maisons et tout, tout. On comprend donc bien que la base de cette. Je crois que c'est du populisme qu'on fait. Il faut rester dans ce que j'appellerais la vraie conviction d'aider les Camerounais à s'en sortir relativement à cela. Il faut attendre. Il y a bien, je crois, une protection civile qui existe au niveau du ministère de l'administration territoriale qui peut descendre sur le terrain, faire des évaluations et une bonne expertise pour qu'on mesure quelle est justement l'étendue des dégâts, pour qu'en fin de compte, on puisse savoir. Il ne s'agit pas d'une manne. Il s'agit de porter secours à des populations sinistrées et ce n'est pas la magnanimité du chef de l'État qui va résoudre ce problème. Le Cameroun doit pouvoir s'assumer et avoir des fonds relativement à cela pour venir au secours de ces populations qui ont subi ces grands dommages. Je crois que si on n'est pas dans ce qu'on appelle le baiser aux lépreux, je ne sais pas comment il faudrait appeler cela. Donc c'était sur ce plan ce que j'avais à dire relativement aux sinistres qui se sont passés dans l'extrême nord. Et puis maintenant, il y a comme, je dirais, un Kamto bashing qui de plus en plus se perpétue dans l'opinion et qui dicte la conduite à tenir, je crois, des gouvernants de l'heure. Mais ce n'est pas la bonne méthode. Je ne crois pas que ce gouvernement doit se consacrer à déconstruire des discours des partenaires politiques. Parce que, regardons, comprenons ça. Il n'est pas exclu de mener sa politique autrement que celle que les gens voudraient. Je ne sais pas si l'unanimité ou l'unanimisme constitue ce que j'appellerais la façon de fonctionner dans un État comme celui-ci. Parce que considérer qu'un opposant s'exprime et qu'il faille pour cela mobiliser toute la machine administrative, tous les grands dirigeants du pays pour aller s'exprimer, déconstruire son discours, pour dire je ne sais pas ce qu'il faut, en fait je ne sais pas comment on peut apprécier cela, qu'il possède beaucoup plus d'un bashing que des propos de conviction, je crois qu'il faudrait qu'on sorte de cette de ce cycle infernal. Ouais, c'est un cycle infernal parce qu'il faut même qu'on accepte que les gens peuvent s'opposer à un pouvoir, qu'ils peuvent tenir des propos qui forcément n'ont pas toujours besoin d'être démentis et que la politique se nourrit de cette dynamique, hein, de poids et de contrepoids. Et je crois que c'est tout à fait normal. Bon, que tout un pouvoir, que tout un gouvernement se consacre à diaboliser un personnage, à faire de lui je ne sais quoi, je pense que c'est une mauvaise tactique. Et puis, ça nous trace une vérité qui est celle de, je dirais, une communication défensive. L'État ne doit pas passer son temps à se cantonner dans cette posture de communication défensive. Elle peut, et c'est pas moi qui va donner des solutions à l'État pour être au devant de la scène et pouvoir impulser des choses qui font qu'on mette de côté tout cela et qu'on avance.
Voilà ce que je pensais relativement à cela. Il est vrai, l'actualité, la mauvaise actualité fétide, c'est une actualité, parce qu'il faut appeler ça une actualité fétide. L'actualité fétide dans le nord-ouest et le sud-ouest, on en a marre. Il faudrait à un moment donné que relativement. Et je crois que le grand dialogue national avait été impulsé pour qu'on en arrive à une accalmie. Malheureusement, nous constatons que les effets et la réalité de ce grand dialogue national n'impactent pas réellement sur. Malgré le fait que de temps en temps on soit en train de nous présenter des embasonnés ou même des sécessionnistes qu'on a arrêtés ou des bandes qu'on a mises en déroute pour nous faire croire que les choses avancent, rien n'avance. Il faut sincèrement que nous essayons, que nous prenions la peine de pouvoir régler ce problème pour qu'aujourd'hui on préserve ce Cameroun que nous avons hérité de nos premiers dirigeants. Voilà à peu près ce que j'ai comme opinion relativement à l'actualité camerounaise. Bon, je ne sais pas s'il faut s'attarder sur le problème de Yves-Michel Fotso et son ex-architecte. Mais ce que je peux en dire, c'est que c'est tout malheureux simplement parce qu'une relation d'affaires qui a commencé sous de jolis auspices puisse finir comme ça des années plus tard. C'est une affaire qui date de 2007 et qui aujourd'hui, si on calcule 2007 à aujourd'hui, ça fait quand même 12 ans que ça dure. 12 ans qu'un jeune entrepreneur est dans la difficulté. Qu'il a une difficulté à construire sa vie parce que sa société ETB Cam a été réquisitionnée. Pas réquisitionnée, c'est pas l'État qui l'a réquisitionnée. Sa société a été confisquée, c'est ça, il faut utiliser le mot juste. Sa société a été confisquée et tout son matériel est en déshérence. Alors que tout simplement, le père et lui auraient pu s'entendre. Encore que le fils, à l'époque, Yves-Michel Monceau, avait bien estimé qu'il fallait que le père fasse tout et tout pour que cette affaire ne l'éclabousse pas. Aujourd'hui, l'enfant, le jeune architecte, je veux dire, perturbé, dans la difficulté de pouvoir faire persuader sa cause, a été obligé d'initier une conférence de presse pour porter ce différend sur la place publique. Ce n'est pas une belle publicité pour le père Yves-Michel, pour le père Fotso Victor. Et je pense qu'il faut qu'on en arrive à gérer. Parce que cette histoire, telle qu'on la voit, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a à la fois la vérité qui est celle de pouvoir permettre aux jeunes entrepreneurs de s'affirmer. Et ce n'est que tout cela. Or, le projet portait sur quoi? Le projet portait, en fait, le contrat portait sur des choses simples. Il était question de la continuation des travaux de l'hôtel de ville de Banjoun et de la décoration de, je crois, de la paroisse Christ-Roi de Mbo. Alors, tout cela a fait l'objet d'un contrat entre les partenaires. Les deux partenaires, je dirais bien le maître d'ouvrage et son entrepreneur, tout cela a fait l'objet d'un contrat clair et précis. Dommage, des couacs se sont annoncés avant même l'amorce des travaux. C'est des couacs très simples qui pouvaient être relevés sans qu'il y ait d'erreur. Mais j'ai l'impression tout simplement que derrière la commission créée par le fait Fotso pour évaluer ses travaux, se sont trouvés des jaloux ou même des gens qui n'ont pas pu lui dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que cet enfant entre en possession de tout son matériel et qu'il continue sa vie, tout simplement. C'est vrai, les dommages sont élevés. 15 milliards, ce n'est pas une petite somme d'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais ça représente, je crois, le préjudice subi, l'ensemble des dépenses engagées par ce bonhomme et qui n'a pas pu être compensé et tout et tout. Et je pense que relativement à cela, il devrait aujourd'hui, au-delà de la puissance du père Fotso, il devrait aujourd'hui prendre la peine d'écouter les pleurs de cet enfant et régler son problème. Ok. Merci, monsieur Célestin Biakudifana. Pas de quoi. Nous sommes à la fin de nos revues de presse et tout ce qu'on peut dire, c'est bonne journée à vous et bonne suite de programme sur Fréquat TV, votre télévision.